connaissait les familles. Voilà, que ce soit les familles de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, du Centre, il connaissait les familles. Tu dis à Oufoué, je suis Marcel Amontano, il va te dire, ah bon, Amontano, le fils de Lambert? Ah d'accord, ta mère est Yassé. D'accord. J'espère que tu es comme ton père. Il faut être ponctuel. Il faut boigner était ponctuel. On dit, il y a une cérémonie, ça commence à 10h, le président est attendu à 10h, il est là à 10h. Il n'est pas là à 10h05, 10h10, il est là à 10h. Et puis ce qui m'a marqué également, il était très pertinent, perspicace. Quand tu t'assois avec Oufoué Boigny et qu'il te demande de lui raconter quelque chose, il te dit, mais au fait, Marcel, il y a telle chose. Fais attention à ce que tu dis, parce qu'il rentrera dans la moindre faille. Et puis, ce n'est pas la peine de lui mentir. Ça ne sert à rien, parce qu'il verra tout de suite que tu racontes des histoires. Et c'est vrai qu'il aidait beaucoup. Et il aidait, un peu comme dans la Bible, que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite a fait. Il aidait dans la discrétion. Aussi bien dans sa famille, dans le pays, qu'en Afrique et dans le monde. Il a beaucoup agi, discrètement. Et ça se savait après coup, et c'est pas lui qui le révélait. Puis c'était un grand humaniste. C'était un homme qui se souciait des autres. Et c'était une façon différente de faire de la politique. Il faisait la politique avec le cœur.